Le projet de mes parents, c'était que je sois expert comptable dans un Big Four. Eh bien, j'ai fait des études de comptable. Et à ma troisième année, j'ai vraiment décidé d'arrêter parce que ça m'emmerdait énormément. J'aimais pas du tout. Et puis j'étais dans une école, peut-être l'école la plus difficile du pays. Donc j'ai plus regardé mes résultats. Je suis parti direct. J'ai dit bon, j'arrête. Et puis là, cette année, je vais vraiment me concentrer sur ce que j'aime faire. Mais maintenant, ça a changé. Maintenant, ce que j'ai fait, c'est que le fait d'avoir une équipe avec qui on travaille, qui comprenne ce qu'on est en train de faire, ça fait que je sais pertinemment que si demain je décide de partir d'ici, ça va pas s'arrêter. Et j'ai une belle phrase que je me suis trouvée, c'est tout ce qui peut t'énerver n'est pas obligé de t'énerver. C'est pas parce qu'un truc est énervant que t'es obligé de t'énerver. Donc maintenant je m'énerve plus sur ce genre de choses. On est en 2021, je pense que ici il doit pas avoir 50 entreprises de jeux de société. Même j'ai exagéré, hein. Même pas 25. Venir dire non, le votre bonheur ne se trouve pas ailleurs, ça se trouve ici, je pense que c'est trop facile. Si quelqu'un vous dit que oui, mon bonheur se trouve ici, ok. Mais voilà, ça fait 3 jours que je cherche du travail, que j'en trouve pas, que je cherche à manger, je ne peux pas, ma famille ne mange pas, je n'aurai rien à lui dire. Donc, franchement, j'ai vraiment du mal à répondre à cette question. Tout ce que je peux dire à la personne, c'est que c'est risqué pour sa vie. Et que c'est vraiment pas une aventure facile. Que c'est une aventure que je déconseillerais. Je pense qu'il est vraiment plus facile de réussir en Côte d'Ivoire que de traverser la mer et puis d'aller essayer de réussir dans un endroit qu'on ne connaît pas. Celui que nous allons recevoir aujourd'hui est très spécial, bah, comme tous ceux que nous recevons bien sûr, mais il est très jeune, il n'a que 25 ans et il est déjà multi-entrepreneur, il a créé plusieurs entreprises dont on aura le temps de parler. Je ne sais même pas comment le définir tellement il fait énormément de choses. Je vous prie d'accueillir avec moi un jeune Ivoirien qui est vraiment dans la montée. On en parle beaucoup ici en Côte d'Ivoire, donc j'ai tenu vraiment à l'interviewer pour vous. Pour qu'il puisse vous inspirer, qu'il puisse vous permettre aussi de pouvoir savoir qu'en Afrique, c'est vraiment l'Eldorado. On peut partir de rien, créer des choses, s'amuser, s'éclater. C'est vraiment ce que j'apprécie avec lui. Il est très décontracté et il s'amuse pendant qu'il travaille, pendant qu'il crée des choses. Je vous prie d'accueillir Bisiriou avec moi. Bonjour Bissirio. Bonjour Jean-Yves. Bah, merci de nous accorder cette entrevue. C'est moi qui te remercie. Bienvenue au studio Bazar. Bah, merci beaucoup. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore? D'accord. Donc, je m'appelle Raji Bissirio, j'ai 25 ans. J'ai un studio de réalisation des médias, donc un média d'infodivertissement, un sur la technologie, un sur la cuisine. Et en partenariat avec un ami, un sur les clichés. Donc c'est un média un peu social. Et on a un jeu de société aussi, notre média, en fait, on faisait des vidéos, on invitait des personnes à jouer à des jeux qu'on créait nous. Du coup, ça nous a permis de créer des jeux et puis ensuite de créer un jeu de société physique. Avant, c'était juste sur Internet, maintenant, c'est physique. Et je pense que c'est tout. C'est tout ce dont je me souviens c'est ça. Actuellement. Moi, mais je suis magicien aussi, voilà. Donc, moi, je suis magicien. Quand je passe sur ta page Instagram, je te connais en tant que magicien. Et créateur de Studio Bazar. Ouais. Maintenant, tu as cité tellement de choses. Donc, ouais, comment ouais. Est-ce que tu te définis? Si on doit retenir quelque chose. Moi, je suis quelqu'un qui fait ce qu'il dit qu'il a envie de faire. Je fais ce que j'ai envie de faire. Genre, je m'éclate, quoi. Si j'ai envie de demain de lancer une appli, ben, demain, sans doute, des personnes vont peut-être m'interviewer. Bonjour, vous êtes le créateur de telle appli, sans peut-être savoir que j'ai fait tout le reste avant. Ça arrive très souvent, ça. Ah bon? Ouais. Que quelqu'un m'interviewe juste parce que je suis magicien, juste parce qu'il pense que j'ai un jeu de société. Ou des fois, quand il me réinterviewe, il se rend compte que c'est la même personne. Il se dit, mais c'était pas toi, j'ai vu, mais j'en fais plusieurs choses, t'inquiète. Et tu es quoi? Tu es touche à tout? Tu aimes bien ça? Je touche à tout ce qui m'amuse. D'accord. Et puis, je sais qu'il y a plein de choses qui me manquent en Afrique. Donc, je sais que si ça peut m'amuser de le faire et puis que ça peut être utile, et je le fais directement. Ok. Bon, Studio Bazar, c'est quoi exactement? Studio Bazar, c'est un studio créatif. Au départ, c'était un studio de réalisation, mais ça va changer complètement dans le courant de cette année. On est maintenant un studio créatif. Désormais, on crée des choses, on crée des concepts, on crée des produits, on crée des vidéos aussi. Donc, c'est un studio créatif. On est des gens créatifs, donc on s'amuse à faire des choses intéressantes et utiles. D'accord, c'est tout. Donc, ouais. Quand tu dis studio créatif, moi, par exemple, je fais des vidéos. Ouais. Est-ce que moi, je viens te voir, je dis, j'ai envie d'utiliser ton studio pour faire des vidéos. Oui. Comment ça se passe? Ça se passe comment ça? Ouais. Alors, ça encore, c'est un produit qu'on devait lancer l'année dernière, mais à cause du Covid, on ne l'a pas fait. Mais c'est un concept qui est déjà acté. C'est déjà acté. J'ai même une vidéo de moi en train de l'expliquer. Ouais. Et donc, ce qu'on a décidé, c'était de proposer à des personnes, surtout aux jeunes Ivoiriens, aux jeunes étudiants, qui ont envie de se lancer sur YouTube, de faire des vidéos,
de pouvoir utiliser nos studios, notre matériel, notre expertise pour pouvoir réaliser leurs vidéos. Ce qu'on faisait, c'est qu'on allait leur donner des formations C'est ça. assez rapides sur comment utiliser le matériel, comment faire du montage. On met tout à votre disposition. Vous pouvez venir sans rien et puis sortir avec une vidéo. Ok. Voilà, Mais donc du coup, c'était ça. C'est quoi? C'est sous forme de location? Alors, en fait, On quand paye à c'est... l'heure? Comment? Si on disait que c'était de la location, c'est comme si on vous louait le matériel C'est puis on vous ça. laissait. Mais c'est vraiment plus de l'accompagnement même, en fait. Ok. C'est vraiment tout. On est là pour tout vous proposer. Donc, dans l'idée qu'on a, qui est actée pour l'instant et qui n'est pas encore sortie, du coup, qui peut être modifiée, c'est proposer 3 séances d'à peu près 3 heures où les personnes ont à la disposition le studio. Donc, Ok. le studio, c'est cette pièce, c'est devant, c'est le D'accord. jardin derrière, c'est la cuisine, par exemple, Donc, pour il y a ceux qui ont envie de faire plusieurs des vidéos pièces, il de y a cuisine. plusieurs salles Exactement, différentes. tout. Plusieurs backgrounds, en fait. Il y a Ok. plusieurs fonds, plusieurs endroits où tourner. On tourne, attendez, on tourne plein de choses ici différentes. D'accord. Et si vous ne savez pas que c'est ici, vous ne saurez même pas que c'est là qu'on a Il y a tourné, de quoi, parce grandes que. émissions qui se tournent ici, sur YouTube, De grandes justement. émissions, Pas des alors émissions de normales. contenu pour des marques, beaucoup de Des contenu marques. de marques en fait. D'accord. Ouais. Du contenu de marque se tourne ici. Ok. Ouais. Donc, Studio Bazar, si vous avez, si vous voulez vous lancer sur YouTube, que vous ne savez Ouais. pas trop comment faire, vous n'avez pas de caméra pro, vous Restez pouvez venir. sur nos plateformes et C'est puis ça. attendez quelques mois Ok. maximum qu'on lance ça. Ok, super. Ouais. Et moi, je t'ai connu aussi par Snap Game. Ouais, Snap donc Game, c'est quoi? c'est ça. C'est. C'est une série de jeux de société. D'accord. En fait, l'année dernière, quand il y a eu la crise du Covid, on avait moins de clients qui faisaient. Nos clients, c'est des entreprises. On D'accord. réalise des vidéos pour des entreprises et ils les utilisent sur leurs réseaux sociaux. Et en fait, quand il y a eu la crise, c'est qu'il y avait de moins en moins d'entreprises qui faisaient de vidéos, puisque il y avait pas, les gens communiquaient plus, en fait. Et donc, on avait du temps libre. Et puis, on s'est dit que. De toute façon, moi, j'avais toujours envie de lancer un produit. J'ai toujours eu envie de. Je me suis toujours dit que quand je vois les gens qui vendent des produits tous les jours, mais donc ils se font de l'argent tous les jours, en fait, C'est ça. indépendamment du client, enfin pas du client, des entreprises, en fait, ils vendent directement à des gens des produits qui ont une valeur pour eux, en fait. Donc, C'est ça. fallait que on puisse créer un produit. Et du coup, par des circonstances qui seraient très longues à expliquer, on a décidé de lancer un jeu de société. D'accord. Du coup, Mais on s'est pourquoi mis être parti ensemble. sur un jeu de société? On veut quand même En savoir fait, c'est ça. parce qu'on lance. Bon, alors pourquoi? Ce qui s'est passé, c'était une soirée. C'était tout con. D'accord. Je faisais une soirée ici et j'avais invité des gens. Et comme je déteste que les gens soient sur leur téléphone pendant la soirée, je leur ai proposé. Je me suis dit qu'il fallait que je crée quelque chose pour qu'ils puissent s'amuser. Tout à Donc fait. je suis allé sur notre Facebook parce que nous, on créait des jeux en fait. On proposait Déjà, mais des en jeux. ligne. Exactement. Et des gens venaient dans nos studios. D'accord. Ils jouaient aux jeux et on les filmait et nous, ça nous faisait du contenu. Eux, ils s'amusaient et il y avait des tas de vidéos comme ça. Donc, je suis D'accord. allé sur une des vidéos, j'ai commencé à la regarder, à noter les questions et puis je me suis dit, bon, quand les gens vont venir, on va s'amuser comme ça, je vais leur proposer de jouer de cette façon. Et donc, quand ils sont venus, et enfin, finalement, ils sont plus venus. Voilà, c'est ce qui s'était passé. Finalement, ils sont plus venus. Et du coup, moi, j'avais mon papier là et puis je me suis dit, mais j'étais, enfin, avant d'avoir mon jeu, j'étais en stress. Je me suis dit, finalement, peut-être que. Il y a plein de gens dans mon cas, peut-être il y a plein de gens qui sont là, ils vont organiser des soirées, mais ils se disent que les gens vont venir s'ennuyer chez eux, donc ils ne les font pas. Donc je me suis dit finalement qu'il serait peut-être une bonne idée de faire un jeu de société, que tous les gens comme moi qui pourraient ne pas aimer que les gens soient sous leur téléphone, puis qu'on s'ennuie, puissent jouer quoi. Puis donc c'est parti de là, on a créé la première édition qui était l'édition culture. Au départ, on allait sortir juste une édition C'est culture. ça. Puis encore, en discutant, on s'est dit non, mais une édition culture, c'est juste un seul jeu, et puis ça va pas être ça, c'est fini si les gens ont joué à ça, c'est fini. Du coup, on a travaillé sur un autre jeu pour les apéros qui s'appelle la Chill Edition. Ensuite, on D'accord. a travaillé sur une édition Mime. Ensuite, on a travaillé sur une édition Team qui n'est plus disponible dans la nouvelle édition qui est sortie cette D'accord. année il y a Donc quelques chaque semaines. couleur représente une édition. Ouais, donc l'édition Chill, c'est la Chill Edition, c'est pour Ok, les et c'est apéros. quoi ça? C'est C'est un jeu genre d'apéro. on boit des verres et puis Ouais, on reçoit un il y a coup. des mini-jeux dedans et puis celui qui se trompe, il boit et tout. C'est très amusant. C'est comment se saouler et apprendre en même temps? Alors voilà, mais vous pouvez jouer avec de l'eau. C'est pas C'est écrit boire ça. de l'alcool Ah, ok, explicitement dedans, mais vous d'accord. pouvez jouer avec de l'eau. Et dans cette nouvelle édition, par Faut bien exemple, se saouler. Il y a des nouveautés. Par exemple, D'accord, tu veux si que tu j'en. veux. On parle du Oui, jeu? Ok. on peut, on va. Alors, Ça faut que je va la donner trouve plus de cette carte. perspective aux gens. Faut que je trouve cette carte. Alors bon, je sors le jeu. Donc, le D'accord. jeu, il se présente comme ça. Il y a 50 cartes dans le jeu. Waouh, Donc, ok. d'ailleurs, il y a beaucoup de choses qui ont à voir avec la Côte d'Ivoire dans le jeu. Donc, Ok. les titres des. Par exemple, Bailly.
Bailli, ça veut dire la poisse. Malheur à vous, buvez donc. Comment ça se passe là? Donc, moi, je tire. On mélange le paquet et puis chacun tire une carte et puis ensuite on lit ce qui est sur la carte et puis on fait. C'est quoi la première carte? Ok, ben je mélange. Oups, alors je vais mélanger. Comme ceci, ça va être beaucoup plus facile. Je vais tirer. Mais en fait, c'est des cartes très intéressantes. Voilà. Oups. Ok, ouais. Ok, go. Allez. Donc, la première carte. Comptez tour à tour pour arriver jusqu'à 21. Ouais. Le dernier boit et choisir un joueur pour l'accompagner. Ok. Vous pouvez compter au maximum 3 chiffres. C'est écrit, non? Ça, voilà. Ok. On y va. On teste. Par cœur. Ouais. Ouais. Voilà, du coup, je fais quoi? Vous pouvez compter au maximum jusqu'à 3 chiffres supplémentaires. Ok. Ça veut dire quoi? 1, 2, on y va. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Et puis ça tombe sur moi. Et t'as perdu. Ah, je vois. Et donc là, du coup. Mais j'étais même pas concentré parce que t'aurais pu gagner en plus. Hein. Moi non plus, j'étais pas concentré. Donc voilà. Et donc dans cette édition, par rapport à l'ancienne, donc il y a de nouveaux mini-jeux qui sont venus. D'accord. Et il y a cette carte. En fait, c'est un QR code qui est sur une carte. Et du coup, lorsque vous le scannez, ça vous donne une nouvelle carte en fait. Ça va sur notre site internet, ça vous propose une nouvelle carte. Et chaque semaine, la carte change. Du coup, on a une carte infinie en fait. Avec ça, on peut jouer toutes les semaines à un nouveau truc. Et encore plus intéressant, c'était pour l'aspect communautaire, c'était de faire en sorte que ce soit les gens eux-mêmes qui décident. D'accord. Donc, les gens nous envoient des propositions de ce qu'ils veulent qu'on mette comme carte. Du coup, toi-même, tu pourrais créer une carte en fait demain. Comme ça, donc du coup, ça crée la communauté, l'engagement aussi. Exactement. Exactement, donc c'est ça. Super. Il y a des gens. Les questions sont quand même, il y a des questions de culture générale quand même dedans. Dans cette édition, non, parce que c'est un jeu pour s'amuser. Dans l'édition culture, alors. Ah, il y a une édition culture. Oui, culture afro. Cette ça, fois, c'est là. Bien. Ouais. Oui, donc cette édition-là, elle est axée sur la culture africaine. La première, elle était axée sur la culture ivoirienne au départ. Maintenant, c'est sur la culture ivoirienne. Je t'en fais une. Pour dire la première carte, c'est une carte qui explique comment jouer. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on n'a pas mis directement les réponses en bas. Donc, pour pouvoir savoir la bonne réponse, il faut juste regarder la couleur qui se trouve à côté de chaque question. Okay. Donc, je te prends une question au hasard. Ok, okay. Oups. Allez, on y va. Alors, que désigne le terme falacha? Ça, c'est une donc, bonne. Ouais, mais je te donne les propositions de réponse. Okay, des juifs d'Éthiopie, un peuple d'Afrique australe, un peuple nomade du Sahara. Falacha, c'est soit la première ou la dernière. Ta décision. Falacha? C'est un peu chaud aller en Éthiopie, mais je ne me rappelle pas avoir entendu le nom Falacha. Bon, je dirais ça, la première. Ouais, c'est ça représente des juifs d'Éthiopie. Les juifs d'Éthiopie. Alors, voilà, ok. Donc c'est comme ça, et là. Et il y a plein de questions sur la culture africaine dedans. Ok. Donc tu nous as dit comment est-ce que tu es venu l'idée de créer ça. On devait faire une soirée, et puis je voulais absolument que les gens ne soient pas sur leur téléphone portable. Et ça marche plutôt, les gens achètent ça. Oui, on en a vendu. Bon, la première édition, la première version de chaque jeu, on l'a vendu 1600 exemplaires. Wow. Et là, on a relancé le jeu le week-end dernier. Bon, je pense qu'on a au moins, on en a vendu en précommande 250. Et donc, ça ne s'arrête pas. Et quoi. C'est combien comme ça? Ça coûte 5000 en Côte d'Ivoire. Une carte, ça fait 5000, c'est ça? Oui, donc chaque jeu coûte 5000. Et puis, ouais, voilà, la première édition, on l'a vendu à 1600. Celle-là, on vient de la lancer. D'accord. Donc, on a. Excuse-moi, je pose la question. Marie, on a vendu combien de paquets? On a déjà vendu, ouais, à peu près. Entre 200 et 300. Bon, là, en ce moment, on est au rythme de croisière du départ, donc on a 100 par jour, quoi. D'accord. Ce qui fait un peu peur, parce que ça donne l'impression qu'on gagne 500 000 par jour. Mais c'est ça, tu vois, le c'est calcul. C'est pas le cas. Pourquoi? Mais à la production, des jeux. Et tout est produit ici? Oui. Alors, on a pu trouver, on est allé vers l'imprimerie, à mon avis, la plus professionnelle du pays. D'accord. Qui nous a, avec qui on a travaillé, donc on leur a proposé des boîtes. Alors, ces versions-là, c'est vraiment les versions finies du jeu. D'accord. J'ai des versions pas finies. Donc, d'abord, on a vraiment testé. Et puis d'accord. Ensuite, qu'on a trouvé comment faire notre jeu, c'est parti tout de suite. 500 000 par jour, quand même, ça. Ah, on fait pas 500 000 par jour. Si c'était comme ça, ça allait être cool. Hein. J'ai d'affaires. Ça allait être très cool. Mais en plus de tout ce que tu fais, des cartes et tout, je sais que aussi tu fais des reviews tech. Oui, moi j'aimais beaucoup ça. D'accord. Quand j'habitais chez mes parents, j'avais pas grand-chose à faire, okay. À part étudier. Okay. Donc je passais énormément de temps sur YouTube. C'était vraiment... Même maintenant, je passe tout le temps sur... Je pense que le réseau social où je passe le plus de temps, c'est YouTube. Ouais. Ou Instagram, peut-être. Et pourquoi YouTube? Parce que j'aime regarder les vidéos. J'aime apprendre, en fait. J'aime apprendre.
Donc, j'avais pas particulièrement les moyens d'acheter des choses quand j'étais petit. Donc, ce que je faisais, c'est que dès que ça sortait, je voulais quand même savoir ce que c'était et puis savoir comment ça marchait. Du coup, D'accord. je regardais les reviews que les autres faisaient. Je pense que le faire des reviews ici, c'est pas encore. Les gens n'ont pas encore bien compris. Mais Une c'est personne ça. peut acheter un téléphone sans jamais avoir regardé une review dessus. Parce qu'on est Juste plus parce que ce que les gens c'est une achètent, les marque, derniers voilà, modèles, exactement en les fait. derniers Alors iPhones que marchent toujours, ouais. c'est pas particulièrement le meilleur en fait. Ou bien Ça. que ça va pas vous apporter particulièrement des choses. Donc, alors que moi j'aimais vraiment beaucoup regarder des reviews. Ok. J'adorais ça. Maintenant, du coup, tu fais des reviews sur une chaîne YouTube que tu as ou. Oui, sur une chaîne. En fait, j'ai fait ça plus sur Facebook parce que je sais que les gens en Côte d'Ivoire vont regarder sur Facebook. Donc j'ai vraiment pris Facebook et puis j'ai fait mes reviews dessus. Là en ce moment, il y en a beaucoup moins parce qu'on a travaillé sur les jeux de société, mais ça Ça. revient, on va recommencer à faire des reviews sur des produits. Je pense que la prochaine, ça sera une caméra connectée, une caméra Une de caméra de surveillance connectée. surveillance, d'accord. Ouais. Waouh. Et en plus de ça, tu es magicien. Ouais. Bon, ok, là, on va parler un peu de ta vie personnelle. Comment Ok. est-ce que tout ça a commencé? Parce que je suppose que tu as fait des études, tu es Oui. parti à l'école, et puis, comme tous nos parents, on espère qu'après les études, que tu ailles travailler comme employé quelque part, que tu fais, Ouais. voilà, tout ça. Donc, c'était quoi le projet peut-être des parents, et comment est-ce que tu te retrouvais en tant qu'entrepreneur en train de faire tout ça, et Alors, quelle a été la réaction des parents? le projet de mes parents, c'était que je sois expert comptable dans un Big Four. Ok, super. Ça, Parce que papa c'était. ou maman fait ça Non, ou c'est même comment? pas, D'accord. je sais pas. Ok, t'as fait des Ah études non, c'est pour. pourquoi j'ai dit. Pourquoi? Mes parents voulaient que je sois. En fait, au départ, je voulais être psychologue. Et mon père était. Enfin, il se disait pas que je pourrais avoir un job avec. Moi, je Ouais, le c'est. comprends. Je me dis, il se dit que si je fais psychologue, peut-être que je vais chômer. C'est ça. Et Si, donc, alors qu'on voit pas les psychologues il y trop en dans a ce beaucoup, en domaine-là. fait, bizarrement. Il y a plein de gens qui. Et puis, je pense que le besoin en psychologue Énorme. va exploser C'est bientôt, en fait, sûr. avec la façon dont les gens sont accros à leur téléphone, moi compris. Donc, il voulait que je sois comptable. J'ai fait des études de comptable. Et D'accord. à ma troisième année, j'ai vraiment décidé d'arrêter parce que ça m'emmerdait énormément. J'aimais pas du tout. Et puis j'étais dans une école, peut-être l'école la plus difficile du pays. Ah, ok, il y a ça. Donc, c'était compliqué. J'aimais pas un truc et je devais absolument le faire. Du coup, j'avais fait ça 3 ans et puis ça m'a vraiment emmerdé. Et puis donc, je suis allé. J'ai arrêté mes études à la moitié de l'année. Enfin, j'ai arrêté d'aller à l'école, mais je suis allé aux examens. Ok. J'ai fait les examens et je pense qu'il y a une matière où j'ai raconté ma vie. Ah C'était bon? en management. Ok. J'ai expliqué ce que j'allais faire en fait sur ma feuille et puis bon, j'ai même pas regardé les résultats d'ailleurs de mes examens. Jusque-là, c'était en quelle Non, année? il y a peut-être 3 ans, Trois ans, au d'accord. moins 3 ou 4 ans. Donc j'ai plus regardé mes résultats, je suis parti direct, j'ai dit bon j'arrête et puis là cette année je vais vraiment me concentrer sur ce que j'aime faire. Bon, D'accord. il y avait des situations, la situation aussi faisait que c'était un peu facile, j'habitais plus avec mes parents, j'avais déjà mon appartement donc j'étais pas. Sous leur joue, Sous leur c'était tutelle, voilà, pas, bon, tu n'étais j'étais pas sous sous couvert, couvert voilà, tu n'étais exactement. pas sous J'avais couvert. déjà ma vie, genre, je pouvais, Tu je arrivais à payais. gagner de l'argent Oui, tout parce seul que et je faisais tout. des spectacles et D'accord. je vendais des œuvres d'art sur internet. Ce que, voilà, Waouh, encore une fois, je encore une sais pas. fois, quelque chose Mais que je tu fais. faisais des œuvres d'art sur internet. C'est vraiment ça qui m'a permis d'avoir suffisamment d'argent pour un appart, D'accord. pour financer mon matériel, pour faire des spectacles. Donc là, maintenant, j'avais de quoi faire des spectacles. Donc, franchement, quand j'ai arrêté mes études et que je vivais chez moi, si je devais mener ma vie comme ça, j'aurais pu. Hein. J'aurais pu être juste magicien et puis gagner suffisamment d'argent et puis être un homme normal, quoi. Mais bon, après, j'ai commencé un peu à me lasser de faire des spectacles de magie, ce qui est D'accord. très bizarre. D'ailleurs, je faisais des vidéos de magie au départ. Au départ, je faisais des vidéos où je faisais des tours de magie. C'était vraiment là qu'on m'a vraiment beaucoup connu sur Facebook. Et puis ensuite, ça m'a lassé un peu et puis j'ai lancé ma page de technologie où j'ai commencé à faire des vidéos sur la tech. Tout ça, ça donne pas l'impression de quelqu'un qui sait pas où il va, qui fait un peu tout et finalement rien du tout. Ça aurait pu être le cas si on m'avait posé la question il y a quelques années. Parce que moi-même, je me disais, et puis à juste titre, je ne pense pas que ce soit quelque chose de mauvais que de faire ce que j'ai envie de faire sur le moment. Si demain j'ai envie de devenir berger, je sais pas si je laisse mon entreprise ici, je pense qu'elle est en de bonnes mains. C'est ça. Puis je m'en vais, je deviens berger, et puis je pense que je vais très bien faire berger, quoi. Ok. Parce que ça m'amusera, ou bien ça va me plaire. Donc ton leitmotiv, c'est vraiment faire ce que tu Faire as ce envie qui, de oui, faire parce sans que on est s'entraper. clair, une Voilà, c'est chose, hein, ça. tu peux mourir demain, tout à Non, l'heure ça c'est après cette sûr. interview, ça va jamais peut-être J'espère sortir. pas. Voilà. Donc si je ne m'éclate pas maintenant, je ne sais pas quand est-ce que je vais clamser, quoi. Ok. Mais maintenant ça a changé. Maintenant ce que j'ai fait, c'est que le fait d'avoir une équipe avec qui on travaille, qui comprennent ce qu'on est en train de faire, ça fait que je sais pertinemment que si demain je décide de partir d'ici, ça ne va pas s'arrêter. C'est Être ça. magicien, c'est que si moi j'arrête d'être magicien, c'est fini. C'est ça.
Quand je vendais des œufs d'art, c'était vraiment moi qui les vendais. C'était moi qui les fabriquais et c'est moi qui les vendais. Donc si ça s'arrêtait, c'est fini. Mais depuis ce moment-là, c'est des choses qui ont changé. Snap, par exemple, moi, je ne tourne plus les épisodes de Snap, je ne les monte plus, je ne book même pas les personnes. Ce n'est même pas moi qui m'en occupe. Donc, celui qui s'en occupe, c'est avec Karim. Donc, Karim, pertinemment, que si demain je dis bon, Snap, ça m'ennuie, Karim est là. Ça va continuer, ça va continuer en fait, ça ne va pas s'arrêter. Pareil pour tout ce qu'on fait en dehors. Si demain je dis réaliser des vidéos, ça m'ennuie, je ne veux plus faire Studio Bazar, je sais que Leslie est là et puis qui va faire. Et puis Marelle sera là pour envoyer les devis aux clients, donc ça sera peinard en fait. Donc tu crées une équipe qui est assez autonome et qui Oui. peut travailler sans toi. Exactement. Et l'autre chose, c'est que j'ai pu créer une synergie en tout, Ok, entre les d'accord. choses. C'est que Studio Bazar a Snap, qui est un média, qui a le jeu de société. D'accord. Studio Bazar a aussi le média sur la technologie. Donc c'est vraiment une synergie entre tout ce qu'on est en train de faire. Peut-être qu'un jour, je vais créer une émission de magie. Et là encore, Studio Bazar va le produire. Et je serai le magicien. Donc je n'ai pas arrêté d'être magicien en plus. Je Mais fais tu fais toujours toujours. des spectacles Oui, aujourd'hui? j'ai spectacle dimanche par exemple. Et lundi, j'ai spectacle tous les dimanches. Donc je fais des spectacles. Et Donc qu'est-ce que voilà. tu as fait du coup de tes ventes des œuvres d'art? Tu Là, continues par ou... contre, ce qui s'est passé, c'est que j'avais arrêté parce que ça prenait vraiment beaucoup de temps et je n'arrivais pas à pouvoir automatiser la chose. Parce que Ouais, c'est là, ça. on ne peut pas automatiser là. À moins de trouver quelqu'un qui connaît aussi comme Oui, toi et du coup qui pourra... j'ai trouvé une personne une fois, mais je n'étais pas satisfait du rendu, D'accord. de ce que ça donnait. Du coup, j'ai arrêté pendant pas mal d'années. Et puis, un jour, je suis tombé sur Facebook sur quelqu'un qui faisait très bien la même chose. D'accord. Du coup, je me suis dit que là, j'allais complètement arrêter de le faire. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelqu'un qui représentait ce que j'avais envie de faire et puis qui le faisait bien. L'objectif, quand j'ai commencé à faire des œuvres d'art, c'était que je trouvais que les chambres de mes amis n'étaient pas décorées. Et je trouvais que les chambres étaient banales, en fait. Les Banal, ouais. gens avaient des murs bleus comme à l'hôpital. Et puis, bon, c'était juste une chambre, quoi. Mais il D'accord. n'y avait pas d'objet décoratif personnel que la personne avait acheté. Alors que quand moi, je regardais mes parents, par exemple, qui avaient acheté des œuvres d'art depuis leur adolescence, qui sont encore à la maison, qu'ils ont gardé, je me dis oui, voilà, donc ça, c'est pas quelque chose d'anodin, quoi, ça a du sens. Quand mon père il me parle de ce qu'il a acheté comme œuvre avant, j'en suis content, je regarde, je me dis ah ouais, cool, ça c'était. Mais à mon âge, je me rendais compte que la plupart de mes amis n'en avaient pas. Du coup, D'accord, j'ai commencé à tu as faire ça. commencé à faire tout ça. Ouais. Ok, ça fait quoi d'être entrepreneur à 25 ans? Alors, tu as certainement commencé un peu plus tôt, à 22 ans, à peu 20 près ans. 20 ans. Donc, Ouais. voilà, ça fait quoi Même plus d'avoir tôt, je commencé vendais plus des tôt? habits avant. Tu faisais de Ouais. la friperie? Non, même pas. Il y avait un gars qui faisait venir des vêtements et D'accord. du coup, je les vendais. Donc, j'ai commencé à vendre des habits. J'ai vendu des journaux aussi. Waouh. Mais là, j'étais petit. D'accord. Et puis, j'ai mis des applis dans des téléphones avant aussi. Bon? Ouais, j'ai fait beaucoup de choses. Hein, mais donc, j'ai toujours fait ça. Ok. Mais du Donc, quand on me coup, pose la question de savoir qu'est-ce que ça fait, je pense que comme je n'ai pas testé d'être employé quelque part, je ne sais tu n'as pas. jamais vécu ça. Donc Ouais. toi, tout de suite, tu as commencé avec l'entrepreneuriat et donc c'est la Exactement. seule chose que tu connais aujourd'hui. Ouais. Quels ont été tes plus grands challenges jusque-là? Apprendre à gérer les gens. Le Je ne personnel. suis Quand on dit pas le quelqu'un personnel, de les très gens. facile à vivre. D'accord. Parce Pourquoi? que Parce que tu es très demandant, parce que tu es chiant, parce que... Je pense que de ce qui est revenu, peut-être que. Bon, une chose que je sais pertinemment que je faisais, c'était que je ne pouvais pas comprendre que quelqu'un ne comprenne pas quelque chose qui me semblait évident. Ok, l'intello qui prend tout le monde pour... C'était pas une question d'intello, même. C'était peut-être Parfois, des c'est toujours... détails. Tu vois, D'accord. je vais être très à cheval sur des détails que peut-être la personne qui va exécuter le travail ne va pas voir, le client ne va jamais voir même. C'est Et je vais ça. quand même vouloir que ce soit Que ce soit réglé. fait. C'est quoi? C'est parce que tu es perfectionniste ou... Un peu, un D'accord. peu. Malheureusement. Donc, comment tu arrives à gérer ça? Parce que les gens avec qui on travaille, Ah, mais j'ai c'est appris, l'impact, visiblement. mais les gens avec qui je Comment tu travaille arrives à m'ont gérer appris ça? beaucoup de choses dans la vie. Hein. Ils Bon. m'ont appris à lâcher prise sur certaines choses. D'accord. Et j'ai une belle phrase que je me suis trouvée, c'est « Tout ce qui peut t'énerver n'est pas obligé de t'énerver. » C'est pas parce qu'un truc est énervant que t'es obligé de t'énerver. Donc maintenant, je m'énerve plus sur ce genre de choses. Avant, s'il y a un truc qui ne passait pas, j'allais dire « c'est bon, je vais refaire moi-même. » D'accord. Ce qui est complètement absurde dans ce milieu, même dans le travail. C'est soit on évolue ensemble, soit on arrête, quoi. Mais c'est quelque chose que j'apprends. Et puis même maintenant, enfin, c'est même pas encore parfait chez moi C'est parce que ça. j'apprends toujours à ne pas, à me calmer en fait, à voir, à relativiser sur plein de choses. Ouais. Super. Donc, quelles sont les qualités que tu penses que tout entrepreneur devrait avoir autour CEO de son entreprise? La première qualité, c'est peut-être de choisir les bonnes personnes. Moi, je Ok. sais que les gens avec qui je travaille sont dévoués à notre travail. Tu dis pas ça parce qu'ils sont à côté. Non, franchement,
Franchement, je suis très rassuré sur ça. D'accord, super. Ils partent tard, ils viennent assez tôt, ils Donc ils sont partent tard, ils engagés, travaillent, il n'y a sont. pas d'heure. On est vraiment. Tu payes les heures sup quand même. Alors, justement, à ce sujet, on est une entreprise dans laquelle les personnes qui travaillent ont des parts dans l'entreprise. Donc, Super. ils ont quand même un intérêt à ce que ça se passe bien. Je pense qu'ils ne le font pas pour l'argent, principalement, mais pour faire en sorte que ça grandisse, Ça quoi. grandisse la Ça patate. aussi, c'est un truc que j'ai appris cette année. Les employés ne travaillent pas dans les entreprises à cause de l'argent, principalement. Pas tous. Ah bon, ouais, parce Ouais. que la plupart, c'est beaucoup ça pour pouvoir payer les factures quand même. Mais c'est différent parce que ceux qui travaillent dans les startups ont une autre vision que ceux qui travaillent dans les entreprises déjà établies, Ouais, le plus je souvent. pense. Parce que vraiment, ceux avec qui je travaille, je sais clairement que c'est pas l'argent, quoi. C'est la Ok, c'est la motivation, motivation. c'est comment on avance ensemble. Donc, ouais, ça aussi, je savais pas Donc, jusqu'à première depuis cette année. qualité, deuxième qualité. En Mais fait, on va essayer d'en malheureusement, citer trois là. j'ai envie de dire que j'ai du mal à répondre à ça parce que je n'estime pas avoir le droit de répondre à cette question. Si, Mais qu'est-ce que c'est de ton j'estimerais? Choisir les expérience. bonnes personnes. Poser des questions. Je pense qu'il faut beaucoup discuter, en fait. Parce qu'un entrepreneur doit Oui, beaucoup poser des questions, parce que très discuter avec souvent, les il y gens. a plein de choses qu'on n'arrive pas à voir sur notre propre business. C'est ça. Récemment, on a eu la chance d'avoir d'être, on va dire, d'accéder à une formation chez un incubateur. Et quand il a décortiqué notre business, j'étais tellement heureux parce que je voyais des choses négatives. Ça me plaisait parce que il y a très souvent des C'est gens qui vont plutôt nous bon dire, pour ça. ah, il faut aimer ça, Faut par contre, aimer faut ça. aimer Ça permet au qu'on vous business d'aller dise mieux, des ouais. choses. Parce que je pense que même le regard que quelqu'un qui ne connaît pas sur votre business peut avoir. Je dis, s'il a quand même réfléchi pour avoir cette conclusion, c'est qu'en soi, il a de la matière à dire, en fait. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose à changer là-bas. Bon, après, vous ne pouvez pas vous fatiguer à aller changer tout ce que les gens n'aiment pas, quoi. C'est sûr. Mais moi, ça nous a vraiment plu. Parce qu'on a beaucoup de félicitations et pas trop de ça, faudrait faire ci, comme ça. Bon, du coup, c'était super. Ok. Donc, Et une pouvoir entendre les. Chercher et pouvoir entendre les remarques. les remarques. Et une dernière. Un entrepreneur, waouh. Prendre des vacances des fois. Oh, ça, j'en parle Je souvent. dis, je le dis, c'est Parlons pas ensemble. particulièrement quelque chose que je fais, mais Oui. je pense que si on ne fait pas ça, ça va pas le faire, quoi. Parce que finalement, on va s'épuiser pour rien, mais. Bon, le jour où je vais arriver à la partie où Quand je tu me prends des dis, hein, si vacances tu arrives, moi-même. parce que moi j'arrive pas, même pendant les vacances, ça bosse. Là, je devais être en vacances, C'est mais un je pense concept que aussi. j'ai Mais plus bossé qu'autre chose. comme Mais j'aime voilà, c'est aussi, il n'y a pas à de souci. pouvoir allier les deux quand même, et puis c'est plutôt sympa. Mais il faut se forcer des fois. T'as raison. Bon, Ouais. souvent, ce sont nos épouses ou nos copines qui nous forcent. Ouais. Donc, c'est pour ça que c'est sympa. Et un programme d'amusement. Ah bon? Ouais. Faut avoir un programme d'amusement. J'ai eu mon premier programme d'amusement il y a 2 ans. Hein. Ah C'était un bon? programme où il fallait que j'exécute des tâches, mais qui Même se pour qu'on t'amuser, avoir. il faut que tu Bon, schedules je ça, faisais il faut ça que tu parce que comme ça au moins j'allais être sûr de le faire. Sinon, devises que tu vas j'allais pas pas le faire. faire. On va D'accord. aller rendre visite, va dans des. Je sais pas, amuse-toi. Il y Ok. avait des heures pour ça. Ça, c'est Mais sympa. j'ai enlevé. Mais je l'avais quand même. Ok. Ouais. Toi, tu vis en Côte d'Ivoire, tu es né ici, tu as Oui, grandi ici, tu n'as oui. jamais eu le désir peut-être d'aller en Europe, en Occident, aux États-Unis, continuer tes études ou même Non, ailleurs. non. Mais Pas du tout. il y a des endroits où j'ai bien envie d'aller pour l'expérience, pour D'accord, découvrir. voir, Bah, mais ouais. ça, vraiment personnel, c'est vraiment beaucoup plus personnel même que par rapport à mon travail, mais un peu aussi à propos de mon travail. Mais il y a des endroits que j'ai vraiment envie de découvrir. Voilà, mais Mais du pas coup, particulièrement en Europe. en Europe, où ça? J'aimerais bien aller au Japon, par Au exemple. Japon, ouais. J'aimerais bien aller aux États-Unis. Mais là, c'est vraiment très personnel. J'ai envie d'aller aux États-Unis et puis avoir un job très banal dans un endroit et puis juste vivre un moment comme ça. Ok. Genre être banal d'un endroit, c'est super. C'est super. Et qu'est-ce que tu dirais à tous ces jeunes qui veulent forcément traverser la Méditerranée pour aller en Europe, pensant qu'il y a l'Eldorado là-bas, même si tu l'as pas encore, même si t'as pas vu, nous on reste convaincus, moi je reste convaincu en tout cas que l'Eldorado se trouve ici en Afrique. Toi tu trouves ta voie, tu t'amuses, tu t'éclates, tu gagnes de l'argent aussi, parce que c'est ça aussi un entrepreneur. Qu'est-ce que tu dirais à tous ces jeunes Je qui le dis veulent venir? avec beaucoup d'humilité. Hein. Moi, je ne connais pas la vie de certaines personnes. Oh, Ceux ça qui c'est font ça, sûr. je ne sais pas leur vie. Je suppose qu'ils doivent avoir une vie très difficile, qu'ils doivent être complètement matrixés par le fait que
leur bonheur se trouve ailleurs. Venir dire non, le votre bonheur ne se trouve pas ailleurs, ça se trouve ici, je pense que c'est trop facile. Oh, c'est sûr. Si quelqu'un vous dit que oui, mon bonheur se trouve ici, ok, mais voilà, ça fait 3 jours que je cherche du travail, que j'en trouve pas, que je cherche à manger, je ne peux pas, ma famille ne mange pas, je n'aurai rien à lui dire. Donc, franchement, j'ai vraiment du mal à répondre à cette question. Tout ce que je peux dire à la personne, c'est que c'est risqué pour sa vie. Et que c'est vraiment pas une aventure facile. Que c'est une aventure que je déconseillerais. Je pense qu'il est vraiment plus facile de réussir en Côte d'Ivoire que de traverser la mer et puis d'aller essayer de réussir dans un endroit qu'on ne connaît pas. Ça, c'est ce que je pense. Voilà, au moins on connaît la Côte d'Ivoire, quoi. Ça, c'est ce que je pense. Après, on ne dit pas de ne pas voyager. Ah oui, oui, dans des bonnes conditions, voilà, exactement. En France, au Japon, comme il dit, on apprend. Et puis, c'est différent quand on voyage dans ce cadre. Ouais, lorsqu'on risque toute notre vie pour aller exactement. C'est plus simple. Tu sens que tu as le droit, en fait. C'est ça. Et tu ne te sens pas dévalorisé par rapport aux autres. Et quelles sont les raisons pour lesquelles les gens devraient venir vivre en Côte d'Ivoire? Toi, pour toi, qu'est-ce qui fait qu'Abidjan ou à la Côte d'Ivoire est le plus doux et que... En Côte d'Ivoire, il y a énormément de choses qui n'existent pas encore. Ah oui. Vraiment, il y a énormément de choses qui n'existent pas. On a l'impression qu'il y a des choses qui sont déjà là. Ouais. Il y a beaucoup quand même à faire. On est en 2021, je pense que ici, il ne doit pas avoir 50 entreprises de jeux de société. Même j'ai exagéré, hein. Même pas 25, peut-être. Wow. Donc, c'est encore des marchés sur lesquels on peut s'implanter. Il y a énormément de choses encore à faire, en fait. Énormément de choses. Je pense que même si une personne se quitte là où il est et puis qui vient ici, il peut trouver énormément de choses à changer en fait. Il y a plein de problèmes à résoudre. Donc, et puis on devient riche en résolvant des problèmes. J'ai tout compris. Et quelle était la réaction de tes parents face à ton choix? Ça, c'est vrai que je... Ils n'ont pas parlé, ils n'ont rien dit. Je pense qu'ils n'étaient pas particulièrement contents. Mais je vivais pas chez eux, ils étaient pas, j'étais pas sous leur financement, c'est pas eux qui donc c'était tranquille quoi, c'était tranquille. Comme il y a une phrase d'Orelsan qui dit il y a des combats que tu peux pas gagner si tu payes pas le loyer, c'est donc ça. Comme c'était pas eux qui le payaient, donc disons on va dire qu'ils sont pas trop parlé quoi, ils ont dit ok on va voir. Ok, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont confrontés à ça, qui veulent faire des choses, mais qui finalement font ce que leurs parents leur demandent de faire pour faire plaisir aux parents. À ces jeunes-là, du coup, le conseil que tu donnes, c'est quoi? Il faut prouver ta responsabilité. Et puis après, maintenant, du coup, les parents... Imaginez-vous-même, hein. Vous avez un enfant. Mmh. Et puis, il vous dit, bon, et alors, que vous nourrissez, que vous blanchissez, et puis il vous dit, ouais, ben moi, j'ai pas envie de faire ça, je vais aller faire autre chose. D'où tu n'as aucun droit à la parole pour l'instant. C'est ce que certaines personnes vont penser, à juste titre peut-être. Donc, il faudrait prouver qu'on peut. Si vous voulez aller faire ce que vous voulez, commencer à montrer à vos parents que vous êtes capable de faire ce que vous voulez. Il ne faut pas attendre, en fait, avant de se lancer. Ouais. On se lance, on fait ses preuves. On fait ses preuves. Si vous vous dites à vos parents, moi, je vais devenir magicien et c'est ce que j'ai envie de faire, je vais commencer à être magicien chez eux. Et puis, bon, quand ils vont voir que... Mais je peux vivre seul, je peux me nourrir, je peux me vêtir et que ça va. Ben ils vont, si je leur dis je m'en vais vivre chez moi et je vais devenir magicien, qu'est-ce qu'ils vont me dire? C'est clair. Ouais. Et après, ils finissent par accepter. Parmi toutes tes réalisations, tu en as fait beaucoup quand même. Je sais que c'est peut-être une question difficile. Ouais, de quoi laquelle... je suis plus fier? Voilà, ah, j'ai pas de réponse à cette question. J'ai vraiment pas de réponse à cette question. Ah bon? Ouais, j'ai vraiment pas de réponse à cette question parce que. Franchement, je ne sais pas. Ce dont je suis le plus fier? Le plus fier. Bah, de tout. J'ai envie de dire, je suis fier de tout ce que j'ai fait. Il faut choisir quelque chose quand même. J'avais vu sur ta page Instagram que tu faisais des choses dans des écoles avec des enfants. Ça... Ah, ce qu'on avait fait, c'était vraiment un projet. C'était un projet. On devait en faire plusieurs, mais malheureusement, je pense qu'on s'était... Je ne sais pas ce qui s'était passé à cette période, mais on a vraiment mis ça en pause. Ouais. Mais c'était de permettre aux gens d'aider d'autres personnes. D'accord. Par exemple, si vous donnez 1000 francs et que ça peut servir à faire en sorte qu'un enfant soit éduqué, c'est rien en fait, c'est peinard. Mais juste, vous n'avez pas le contact avec l'enfant. C'est ça. Du coup, ce n'est pas possible pour vous d'aller le chercher ou tout ça. Du coup, nous, c'est de créer la liaison entre les enfants et puis vous, par exemple. Bon,
Ouais. Du coup, laquelle des réalisations es-tu la plus chère? On va dire que c'est ça. Le jour où on a... Mais pour de vrai, maintenant que je me suis rappelé. Maintenant que je me souviens... Maintenant que je me souviens, oui. J'étais très content de voir les enfants. Ils étaient super contents d'avoir un cadre de travail qui était décent, en fait. Ils étaient contents. Ils avaient des ardoises, de la craie. Ils avaient tout pour étudier. Franchement, ça m'a rendu joyeux, ça. Ouais. Du coup, tu penses que tu vas refaire Ouais. En fait, parmi les objectifs de pourquoi j'ai envie d'être riche dans ma vie, c'est pouvoir aider les gens. Parce que sinon, je sais que je pourrais pertinemment pas aider les gens si je n'ai pas d'argent. Et puis d'ailleurs, ils vont pas m'écouter. C'est sûr. Ok. Comment tu fais pour trouver l'argent d'ailleurs ici, pour toutes tes différentes idées, pour financer tous ces trucs? La dernière fois, j'ai eu à chercher de l'argent. J'ai fait un statut Instagram. Ouais, j'ai juste mis sur Instagram que j'avais besoin de 3 millions en fait pour clore un projet. D'accord. Du coup, j'ai mis sur Instagram, j'ai besoin de 3 millions pour clore un projet et puis qui voudrait... Puis il y a pour financer comme oui. ça. Ouais, le lendemain, j'ai reçu l'argent. Oui. Alors, du coup, les gens financent comment? En prenant des parts dans ton entreprise? Non, c'était un investissement avec des intérêts. C'était un investissement avec des intérêts. D'accord. Ouais. La dernière fois que j'ai fait ça, c'était ça. J'ai juste mis sur Instagram. Qui me suivait, oui, quelqu'un qui me suivait, qui a dit ok, ben ça m'intéresse, et puis voilà, on a négocié le pourcentage, et puis c'était réglé. Voilà, du coup, il y a beaucoup de jeunes qui ont des idées, mais qui se bloquent au niveau du financement, dire il n'y a personne pour financer mon projet, je ne peux pas me lancer, j'ai besoin d'argent, tout ça. Toi, de ton expérience, tu arrives à faire des levées de fonds sur Instagram. Ouais. Quel conseil tu donneras aux gens? Je donnerai un conseil. La levée de fonds sur Instagram, là, elle a pu marcher, parce que les gens sont convaincus du fait que je suis capable de faire quelque chose de bien. Très bien. Si, comme j'ai dit, pour les parents, pour les investisseurs, pour tout le monde, il faut prouver sa capacité à faire quelque chose, sinon personne ne va vous faire confiance. Et sinon, pour commencer, il faut commencer petit. Moi, j'ai commencé à tourner avec un téléphone et puis des lumières de chantier qui étaient chez mon ami. D'accord. Donc, et puis, mon micro, c'était des écouteurs que j'avais coupés et puis j'avais bricolé. Donc voilà, c'était vraiment ça mon point de départ, quoi. J'ai pas commencé avec une caméra, une grosse cam et tout ça, même pas. Mais quand même, j'y suis arrivé, donc j'estime qu'il faut juste commencer avec ce qu'on a. D'accord. Et puis tout faire pour faire bien. Genre vraiment être acharné sur le fait de proposer un produit tellement bon que c'est impossible que quelqu'un dise qu'il ne veut pas. D'accord. Donc faire ses preuves, les gens voient et puis du coup on finance facilement. Ouais. Toutes les façons, personne ne finance quelque chose qui ne connaît pas. Oui. À part si c'est votre famille. Ils n'ont pas le même risque que toi. Exactement. Et souvent, c'est ce que la plupart ne comprennent pas. Ils ont des idées. Et tout de suite, ils pensent qu'on finance des idées. On ne finance pas des idées, il faut déjà faire ses preuves. Moi, j'ai déjà proposé à des gens, même à mon frère, par exemple, des idées qui marchent très bien maintenant, mais au départ, ce n'était pas pertinent pour lui. Donc, il m'a dit non, à juste titre. Et là, encore une fois, je ne vais pas me dire, ah, il n'est pas gentil, il n'a pas voulu m'aider. Ou... Non, pas du tout. C'est juste que ce n'était pas pertinent pour lui, c'est tout. C'est le business, en fait, c'est tout. C'est tout. Ok. Bah, super. Est-ce que tu as un dernier mot à partager? Essayez de faire en sorte que tout ce que vous fassiez, que vous le fassiez bien. Sur mes feuilles de devoir, quand j'étais au collège, c'était écrit sur toutes les feuilles de devoir. Alors, je sais que mon école, ils vont être trop contents si jamais il y a quelqu'un qui voit ça là-bas, mais bon. C'était écrit, tout ce qui mérite d'être fait, mérite d'être bien fait jusqu'au bout. Même si ça prend le temps, il faut bien faire. Ouais, jusqu'au bout. Peu importe, si tu dois faire un truc, fais-le au mieux jusqu'au bout. Ok. Et quels sont tes projets? Ah oui, voilà, c'était ce que je disais. Je disais plutôt, moi, j'avais encore endurci la phrase, c'était... Faites ce que vous êtes en train de faire comme si jamais on mettait une pause sur votre vie et puis on vous jugeait sur l'instant, sur ce que vous êtes en train de faire. Souvent, Dieu décide de te juger pour aller en enfer ou au paradis sur le fait que tu fasses bien cette interview. C'est sûr que tu vas très bien la faire. D'accord. Voilà, donc c'est ça. Il faut juste très bien faire. Chaque jour comme si c'était le dernier. Ouais, et très bien. Chaque jour comme si c'était le dernier. Ouais. Et faire le maximum qu'on peut. Voilà, moi je travaille comme si je devais rendre le boulot à Dieu. Waouh. Voilà, donc c'est. Il faut que ce soit super. Parce que tu es spécialement croyant? Papa, c'est pas une question de croyance, mais c'est juste, j'estime que c'est l'entité supérieure. C'est ça. Donc, faudrait. Dieu a fait énormément de belles choses, en fait. Quand je regarde la nature, par exemple, tout est très beau, très bien organisé. Donc, j'estime que pour lui rendre quelque chose, il faudrait lui rendre quelque chose qui est bien aussi. C'est bien, ok. Quelles sont tes prochaines actualités, tes prochains projets sur lesquels tu comptes travailler? Principalement lancer un studio participatif, permettre aux gens de venir chez nous, tourner des vidéos, faire mieux, peut-être lancer des applis. Okay. Ouais, donc là, c'est vraiment ça, ce qu'on va sans doute peut-être faire et puis faire en sorte que le jeu de société aille super loin.
Bah écoutez, n'hésitez pas à en acheter. Il y a plusieurs éditions pour vos soirées, Ouais. pour la culture générale. Bah y a, voilà, c'est super. Moi j'en ai pris une, hein, je veux voir. Ok. Je sais que c'est super. Bah merci, merci Bissirio, merci Mais pour de ton temps, rien. merci pour toutes ces idées. Merci pour C'est ton moi qui te esprit, remercie, c'est c'était chic. C'était décontracté, chic, c'était chic. c'est tranquille. Et puis Ouais. merci à vous de nous avoir suivis. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Oh oui, je dis même plus ça. Bah vous N'oubliez avez. pas de vous abonner, n'oubliez N'oubliez pas de pas de vous vous abonner. abonner et puis de partager la vidéo Ouais. pour inspirer d'autres jeunes qu'ici en Afrique, c'est l'Eldorado et qu'on peut réussir en partant même de rien. De rien du Voilà. tout. Merci à toi. Merci Merci à beaucoup. toute ton équipe qui Ouais. n'apparaît certes pas dans la vidéo, mais qui est là et qui nous a aidés. Et puis merci à vous et on se retrouve dans la prochaine vidéo. À plus. Ciao. Ciao.